Bonjour. Allô. Puis comment a été ton voyage? Quoi? Ton voyage, comment il a été? J'ai rencontré une dame exceptionnelle. Ah oui, c'était le fun. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, disons qu'on a encore. Bon. Elle a encore un accent français comme elle. Oui. Peut-être parce que je parle de la gorge. Les Européens parlent plus de la gorge. Puis comment tu trouves ma lumière? C'est un spotlight. Non, c'est parce qu'on vient de la juin de la chute. On a parlé, puis on me fait raconter des bonnes histoires. T'as des professeurs d'université, eux autres. Qui? Mais ils ont eu beaucoup de problèmes aussi parce que souvent les gens qui sont très bons et très doués, ils sont assommés, puis ils sont fait assommer. Puis leur histoire ressemble un peu à la nôtre, excepté que c'est différent, c'est pas la même chose. Ils sont plus, ils ont eu des jobs qui étaient plus importants. Mais je veux dire, les gens sont les bars dans les roues, puis. Parle-leur donc de ton taille. Ah! C'est quoi ton mon chien? C'est un chien noir. Et puis, il est blanc en avant. Puis, Klaus, il a ses tuxedo. Il est toujours habillé. Il a les poils très longs. Et puis, il est beau. Puis, un petit nez un peu retroussé. Là, il est cute. Est-ce que c'est un grand chien ou un petit? 25 litres. 25 à 30 livres. Je pense qu'il puisse 30 livres. Ok, c'est pas comme ça. Puis il saute, et il saute comme un yo-yo. Quand je lui dis on va prendre une marche, il dit go for a walk. Il faut que je fasse très attention parce qu'il connaît beaucoup de mots pour un chien. Alors quand je dis go, tout de suite go for a walk. Faudrait que tu parles en français. Pourquoi? Ouais. Je comprends. Non, il faudrait qu'elle parle en français ou pour le chien. Parce que le chien comprend tous les mots qu'elle dit. En anglais. Ouais, c'est vrai. Mais alors, je suis obligée. Il y a certains mots qu'il connaît, puis si je le dis, je l'y perds. Je le dis comme ça. L'autre a sauté tout de suite en l'air, là. Mais Klaus, il comprend pas le français, c'est pour non. ça. Non, ben, si je fais attention, puis je fais lentement, oui. Mais il n'est pas fou du français. Ben, disons que non, c'est pas une langue qui l'a attiré comme l'anglais. L'anglais, il a aimé ça tout de suite. Mais ça ressemble à l'allemand un peu, je pense. Il a fait des beaux tableaux, Klaus. Où est-ce que tu le dis? Il aime le. Moi, j'en avais vu quand j'étais à Lindenberg, mais là, j'ai pas la patience. 4 000 $. C'est beaucoup de travail. Non, j'ai pas le tout. C'est pas si bon, ça les vend. J'ai tendance à parler de toutes sortes de choses. Puis finalement, you tell me the. Voilà. Ça, il va avoir regardé ça quand elle va être moins fatiguée. Ah oui. Ah oui, là. Andy, tu devrais lui faire une photocopie. Oui, de celle que tu as faite, parce que vu que la mienne n'est pas bonne, c'est pas bon. La mienne n'est pas bonne. Ben oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Vous m'avez donné l'art. Parce que moi, je fais très attention, je fais les cartes deux fois. Puis je relis ce que j'ai écrit plusieurs fois. Puis même quand je l'ai faite, là, après j'ai fini tout taper. Je regarde encore une fois, puis je regarde dans les mérites, fait que je fais beaucoup de. C'est tellement facile de faire des erreurs. Mais là, je vais faire. Fais attention, ça, par exemple. Ça fait un carré avec Uranus, ton ascendant. Fait que il faut que tu sois bien prête quand tu le fais, parce que le carré avec Uranus et l'ascendant, tu peux avoir risque d'accident. Mais ça ne veut pas dire que tu risquerait d'avoir un accident. Ça veut dire ça, mais ça veut pas dire que tu. Parce qu'on a tout de même le free will, comment on dit le libre arbitre. Mais si tu prends le temps, parce que souvent avec les carrés, des fois c'est des challenges. Puis souvent, we can overcome our challenge by discipline and, you know. So.
C'est ça, t'as souvent des problèmes, toi, Uranus et Aquarius avec Vénus de ce côté-là. C'est pour ça que tu vas le développer pour pouvoir le maîtriser. Défi que tu dois surmonter. Alors tu vas le développer. Mais quand il y a la lumière, c'est plus clair. Il faut que ça soit plus clair. Ça prend beaucoup de batterie, fait que j'utilise pas. Si tu essaierais maintenant, ça pourrait créer un problème physique parce que la tendance est le côté physique de la personne. Le physical body, le corps physique. Fait que c'est mieux d'être plus discipliné encore. Puis t'as encore beaucoup de choses à faire avant. C'est pour ça que t'aimes faire beaucoup de choses. Tu veux essayer. C'est une manière de manipuler avec ce qui arrive souvent, les gens, ce qu'ils font beaucoup, qui aiment les gens d'affaires, souvent ils ont cette qualité-là aussi. Mais eux, Mamie qui ramasse. Ils sont pas assez spirituels s'ils mettent sur le matériel monétaire. Toutes les films de toi que je regarde, t'as toujours une coupe de cheveux différente. Même talent, parce que si t'es d'être ce que tu es, si tu l'évites, ça te revient plus fort. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est toujours un style différent. Le matériel est important pour toi, mais ça veut pas dire que c'est le matériel monétaire, c'est le matériel, les matériaux, tout ça qui est matériel, même le corps, l'âme. Ben l'âme, c'est pas tout à fait matériel, mais... Tu mets de l'âme dans les matériaux. L'âme dans le matériel, c'est ça que... C'est ça. Il y a deux manières de voir le matériel. Le côté spirituel, le côté plus monétaire. Ou terre à terre. Ben terre à terre aussi, c'est pas tout de même terre à terre. Des fois, les gens qui sont très terre à terre, ils font des choses merveilleuses. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, alors toi, tu vas faire la vente, tu vas faire la démonstration. Costco, ouais. Tu vas faire la démonstration chez ton oncle. C'est ça, on va... Et puis plutôt que ma mère pourrait reconnaître facilement. Et puis tu pourrais faire la démonstration chez ta grand-mère. Une scène coupée. On va y aller en cravate. Ben puis... oui. Je vois. Alors, tu fais un nouveau. Un pendentif. Un souvenir. C'est une nouvelle vague couteau. Bijoux couteau. C'est ça. Bijoux ciseaux. Oui. Non, mais tu peux faire une rose avec. Oui, c'est vrai. Une rose, regarde, je vais te montrer. Si je suis capable de le faire, c'est comme ça. Comme ça. La batterie va venir bientôt. Hein? Oui. Mais batteries, ils sont pas. Non, c'est la même. C'est parce que je l'ai remis, mais j'ai enlevé la lumière parce que la lumière, elle prend beaucoup de. Mais j'ai une autre batterie. Ah, tu devrais voir les beaux vidéos qu'il a fait. Il en a fait des beaux, mais le soir, là, Marie-Josée, elle n'entend pas bien. Ce soir, j'entends oui, encore. Parce que j'aimerais ça que tu lui montres des vidéos de Vancouver. C'est beau! Ouais. Avec une fleur. Alex, tu devrais lui montrer une vidéo de Vancouver. Lequel? N'importe lequel, où ce castré est dessus. Ça vaut une scène, hein? Ça vaut quelque chose. Oui, c'est ça. Ça vaut pas rien. Ça, c'est la lumière qui éclaire normalement. Ça fait que c'est intéressant ce qu'elle t'a dit, hein? Mm-hmm. Sur le. Ben, un autre jour, quand tu auras le temps, là, on ira prendre une petite marche ou quelque chose. Si tu veux. Si tu as des conseils. Si tu avais besoin de. Souvent, moi, j'aimais ça, avoir l'opinion de plusieurs astrologues, parce que chaque astrologue apporte sa propre. Ouais. Son petit spécial. C'est parce qu'on échange des ondes ensemble. Tu l'as pris dans ta main? Il est vraiment solide. Hein? Oui. Mettons, comme toi, tu perçois des choses. Parce que moi, je dis que toute notre vie, on l'a en soi. Ça, c'est certain que chacun connaît son avenir autant que son passé, même si c'est pas consciemment. Mais la seule alors, chose, toi, c'est tu perçois, quoi, tu le perçois, tu vois une certaine facette de sa personnalité.
en regardant, en fait, tu vois, les symboles, c'est tout symbolique, ça, finalement. Fait que ce que tu t'expliques ou ce que tu perçois, ce qui arrive, c'est que ce que tu vois, toi, tu le vois à travers elle, qui te transmet une partie de sa personnalité, parce que son affinité est différente. Mm-hmm. C'est pour ça qu'avec un autre astrologue, elle va voir autre chose. Ben oui. Mais c'est, ça se recoupe toujours, finalement. Mais elle, je vois, elle a beaucoup de moi du côté, elle est très sensible, ça se... Puis moi, je suis pareille comme toi, sur ce côté-là. Puis, et des fois, même le, ce que les gens disent, puis ce qu'ils pensent, là, ça, des fois, ça te brouille un peu. Tu trouves-tu ça? Oui. Ça te mélange pas par moment? Bien, pas autant que ça, mais oui. Moi, ça me mélangeait beaucoup parce que je pensais que c'était moi. Ben oui, ce que les gens disent, mm-hmm. puis ce qu'ils pensent vraiment, c'est pas tout à fait pareil. Oui, je sais, des fois, il y a des gens qui sont tellement contradictifs, ça te confuse. Puis vu que quand on est sensible, on réagit. Penser blanc puis dire noir. Comment les gens sont. C'est des bonnes menteurs. On leur donne pas menteur, des restrictions mentales. Je peux très bien. Mettons là, des gens qui me sont complètement antipathiques pour mon travail, je pouvais très bien faire semblant que je les trouvais extraordinaires. J'avais le don de la parole. Ah ben c'est pareil. Ça, là. Ça c'est de la sournoiserie. Hypocrisie. Ah, c'est pareil, ça c'est de la politesse. Mais c'est. Ma mère aussi a fait ça. Écoute, ta mère n'a jamais été comme ça. Il faut pas que tu fasses des ennemis avec les gens. Non, comme Klaus. Klaus, il n'est pas capable de faire ça non plus. Oh non, non. Lui, il est honnête comme tout. S'il. It doesn't take the time for someone. If the person is insincere, like. Il peut avoir toutes sortes de problèmes, il peut devenir fou, il peut être. Klaus a beaucoup de compassion avec les gens, là, mais c'est quand les gens sont pas sincères en eux-mêmes, ils disent qu'ils sont comme ça, puis en dedans, ils ne sont pas ce qu'ils disent. Puis ils essayent de cacher quelque chose sur lui, Klaus. Mais pas à propos de ça. Ils leur parlent même pas. Puis s'ils trouvent quelqu'un d'antipathique, là, il le trouvera pas plus sympathique que ça. Mais et il fera pas de défaut pour arriver et dire vous êtes donc gentil puis ça. Il va être poli, mais pas plus. Il a toujours été comme ça, là. Je l'ai toujours connu. Mais. Ah oui, c'est là on est direct. C'est live. La live télé show. En direct, on se tombe. Mais. Ça, c'est ça l'affaire. C'est drôle, hein? Pour une fois, oui, j'ai disais rien. Pour une fois, je disais rien. Tout le monde font ça quand ils se voient à la TV. Des histoires à dormir debout. Oh non, tu ne me fais pas des lunettes. Non, mais je l'ai fait parce que ça soit intéressant. Mais tout le monde fait ça, c'est vrai. Quand on va dans les centres d'achat, ça va faire. Oh, pensive. Ah ouais. Ouais, t'es belle là-dessus. Oui, ah oui, t'es vraiment belle. Ça, c'est fait. T'as l'air des belles italiennes de l'époque de Ramsès. Michel-Ange. Ouais, c'est vrai, tu la mets tu la mets dans la montagne. C'était toute une gang de mots. Bon, ça y fait bien. Ça, tu sais. Mais aussi, elle peut passer pour une arabe durant le temps de Jésus. Les berbères. Ah, oh, c'est assez l'histoire à dormir debout. Toi, t'es fatiguée, hein, c'est ça.